J'ai réussi à les imposer au fil du temps, à imposer un style qui me va bien, je trouve, et qui va sûrement encore changer avec le temps, avec les années. Donc je reste pas dans la même case, peut-être. Pourtant, elle change, elle grossit, elle m'incite aussi. et du coup, bah, j'oublie les mauvais moments et les moments où tout le monde me parle aussi. Enfin, j'oublie les moments difficiles du début, quoi. C'est vrai que les débuts sont toujours un peu délicats. Mais je suis déjà venue et c'est vrai qu'à chaque fois l'accueil était très chaleureux. J'ai fait des petits festivals, j'ai fait un French Kiss Tour. J'avais un peu de tout. Mais sinon, je suis revenue jouer avec Nouvelle Vague, je crois, une fois. Donc ça devait être en 2013. On a tendance à séduire par la French attitude, quoi, j'ai l'impression. Et peut-être aussi le choix des chansons un peu mélancoliques et à la fois déjantées. Ça m'a mené finalement à Marc Collin qui a réalisé cet album qui est plein de sensualité. Et plein d'espièglerie aussi. Du coup, la vulgarité n'a pas vraiment de place dans ce disque-là, mais on a l'œil qui frise. Marc Collin, qui a réalisé mon dernier disque Amuse-Bouche que je vais chanter là, et qui est très bossa nova, latin, presque brésilien aussi parfois. Donc, il y a des chansons qui sont un peu plus mélancoliques et d'autres qui sont un peu plus déjantées. C'est pas du rock'n'roll, ça j'en aime pas tout le monde. Je vais pas slammer, quoique ça peut m'arriver si j'ai un peu plus. Mais je pense que vraiment je me situe entre la française, la petite robe noire mélancolique et la Nina Hagen complètement déjantée, quoi. Donc j'écris mes chansons et je les compose. C'est comme une... Je m'échappe, quoi. Quand je m'échappe pas, évidemment, je pète les plombs. Donc c'est pour ça que je me pense peut-être un petit peu hystérique, mais sympa quand même. Peut-être pas née à la bonne époque, mais l'époque que j'habite dans ma tête, elle revient vraiment avec Lana Del Rey, tout ça, toutes ces filles un peu rétro et un peu dingue aussi. Je commence à travailler des chansons de mon cinquième disque. Je reviendrai vous chanter ici à Moscou. Il est venu exprès de Paris, hein. Prišla suda iz Pariža včera, Elodie Frégé. Où se font